Wesh les gars, je vais vous montrer comment on fait pour passer une réal en moins d'une semaine les gars, c'est super simple. Alors tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on est 1400 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Sinon on passe les 1500 bientôt j'espère. Donc suivez bien les astuces jusqu'à la fin les gars, petit bonus à la fin. Alors les gars c'est super simple, vous avez juste à spawn ici. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs spawns ever de la carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, le spawn est très peu contesté. Il y a souvent 2 ou 3 personnes. Donc déjà ça vous fait au moins 2 ou 3 kills, ce qui est vraiment pas dégueulasse pour votre game. Essayez de bien spawn en premier. Donc je vous conseille de toujours spawn ici. Parce que si tu spawn en premier ici, il y a toujours une arme. Et elle te servira pour tuer les gens qui spawnent juste en haut de toi ou qui essaient de se barrer. Donc là je vais peut-être être un petit peu trop. Donc voilà, je vous l'ai dit. Il y a toujours une arme, ou alors vous appelez le bot. Il y a toujours un truc en tout cas en haut. Donc voilà, donc là vous allez rentrer dans la maison. Ce que vous allez faire c'est rester au premier étage. Donc en gros vous allez rester tout en haut et vous allez chercher un pompe. Donc c'est le meilleur à chercher hein. Voilà, vous allez chercher un pompe. Une fois que vous avez le pompe les gars, ce que vous allez faire c'est hyper simple. Vous allez commencer à essayer de chercher les gens autour de vous. Essayez de faire le premier kill pour mettre la pression aux autres. Donc là on entend un gars. Voilà, on va le tuer. Hop, on va tuer l'autre. Voilà, il en reste plus qu'un. N'hésitez vraiment pas à aller chercher les armes du sous-sol. Donc c'est simple, pour aller chercher les armes du sous-sol, vous mettez ici et vous cassez. Et vous cassez l'armoire, voilà, qui est juste là. Et vous pourrez rentrer dans le sous-sol. Ok, donc lui, il était full bugué, dommage pour lui, hein. Donc là, gars, ce qu'on va faire, c'est ça. On va se barrer en voiture. Donc, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout de suite, et j'insiste bien, les gars, vous allez directement aller à la Vichler. Ok, let's go. Déjà, on en a tué un. On va ramasser le coffre et on va vite tuer les autres. Et ce que vous allez faire à chaque fois, en fait, c'est que vous allez faire ça tout le temps. En fait, vous allez prendre une cible. Donc, juste là, il y a encore une cible là. Et vous allez tout simplement à la cible à chaque fois. Donc, voilà. Donc, là, c'est dommage, on n'a pas de voiture du coup parce qu'ils ont tout pris. Donc, voilà. Donc, soit vous faites les cibles, soit vous faites les antennes. Et du coup, si vous faites les antennes, essayez de faire l'île en même temps. Car, bien évidemment, l'île et les antennes donnent un pourcentage sur votre truc. Ah, d'accord. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller rush un maximum. Donc là je sais qu'ils sont 3, donc ça va quand même être chaud. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais attendre ici. Je pense qu'ils vont venir à 2. Ok. Ok. No way. Ok, on va juste les finir comme ça, hop, on va prendre ça. Il y a un mec juste en dessous. Ok, non, je sais pas du tout ce qu'il fait. Ok, donc ça c'est fait. Heureusement il était pas très fort. Voilà les gars, n'hésitez pas à rush le plus possible. Après là, je suis en mode normal. Donc déjà ça aide un peu. Ok, lui il est pas là pour rigoler. On va... J'ai pas envie de me prendre une balle trop vénère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le push, mais petit à petit. Voilà, là on va y aller un peu. Ok, donc ils sont 3, ils a l'air pas si chauds que ça. Je pourrais aller les rush. Très clairement. Alors c'est ce qu'on va faire. Bon après il y a un petit problème là quand même, c'est qu'ils sont 3 et j'ai que 1000 de maths. Je sais pas si ça va faire le taf.
Est-ce qu'ils sont 3, 2 Alors là, je sais pas trop. Après, ils ont pas l'air d'être super forts. Ouais, d'accord, donc il est rentré dans ma box. Voilà, je vous ai donné les clés principales, mais si vous voulez plus d'astuces, les gars, n'hésitez pas à aller sur mes lives, etc. On essaie de road une real. C'est super simple en vrai, les gars. Il suffit juste d'être concentré jusqu'à la fin. Et franchement, c'est easy. Donc, faites bien ce que j'ai dit. Donc, les caches, les antennes, l'île qui spawn milieu de game. Tout ça, déjà, ça vous rapporte au minimum 10%. Si vous faites les 3, ça vous rapporte à peu près 10%. Si vous faites top 1, c'est 17%. Et à chaque kill que vous allez faire en top 25, c'est 1%. Donc, vous êtes facilement rendu à 50% si vous faites une bonne game. Donc sur ce, c'était Timo. Sur ce, les gars, c'était Timo. J'espère que vous allez vous amuser et faire des kills et monter une réelle. Sur ce, n'hésitez pas à venir sur mes lives le soir et l'après-midi. Sur ce, tchuss.